Bonsoir à toutes, merci pour vos chaleureux applaudissements, ils le méritent. Avancez un peu, on dirait que vous avez peur maintenant en fait. Vous avez enflammé la scène ce soir et puis là tout d'un coup, pour le final, tout le monde recule pour se placer tout derrière. Ok, alors je vais bien sûr maintenant remercier aussi les chorégraphes et les écoles de danse qui ont participé parce que c'était un travail énorme de la part de tout le monde. On a bien sûr applaudi les danseurs et maintenant j'aimerais bien remercier les chorégraphes. Alors tout d'abord pour Live Company, on a eu deux chorégraphies, une de groupe et une pour le duo de Chelsea et de Dieter par David De Slovre. Je ne sais pas s'il est là en haut dans la salle, oui si, il est là. Pour Ascendance, une chorégraphie qui était réalisée par trois personnes, Isabelle Becquet, Justine Lecteur et Serena Cadiena. Je ne sais pas si l'une d'entre elles se trouve là. Oui, oui, déjà Serena, voilà. Ensuite, on a eu un solo qui était créé et réalisé par Antoine van der Linde. Il est par là. Ensuite, pour Pao Dance et Mestiza Dance Company, c'était une chorégraphie de Paola. Pour Asa Jim at Saskia Leleu. Pour Il Signo Company, Kirby de Taille. Alors pour Variation Danse, on a eu un solo de Élise Conrad qui était chorégraphié par Catherine Dive. Pour Rhythm and Dance Demo Team, une chorégraphie de Sandrine Balleux. Pour Studio Art en Danse, une chorégraphie de Sylvie Van der Reken. Pour New Espace Danse, une chorégraphie de Audrey Pascal. Pour K Creation, une chorégraphie de Lise Alexander. Pour Brussels International Ballet School, une chorégraphie de Émilie Fagnier. Alors ensuite, un solo qui était créé et réalisé par Maëlys van der Oost. Ouais. Pour Ballet School, Toi, moi et la danse, une chorégraphie de Émilie De Clercq. Ouais. Ensuite, on a pu voir un solo qui était créé et réalisé par Emmanuel Lamberts. Alors juste un petit mot aussi sur Emmanuelle Lamberts, parce qu'en fait elle va créer un show complet cette année ici au Volubilis. Et oui, les 20 et les 21 mai, vous pouvez venir voir un spectacle si vous avez déjà apprécié son solo qui va être créé entièrement par elle.
avec 20 danseurs. Ça va être juste magnifique. Ils ont été sélectionnés en septembre. Donc venez les voir. Vous avez des flyers ici à l'entrée. Vous pouvez la suivre sur la page Pinocchio Dance Show. Et n'hésitez pas à réserver vos places. Les réservations ont déjà commencé. Et déjà, merci à tous ceux qui la soutiennent ici, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui ont réservé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les flyers, à la suivre sur la page Facebook. Et on vous attend, parce que ça va juste être un superbe show pour les passionnés de danse. Pour les jardins de la danse, on a ensuite une chorégraphe de Nadine, qui n'est pas là, oui. On me l'avait dit, mais tu prends sa rose, hein, oui. Et pour terminer, une chorégraphie de... Pour Yescom, une chorégraphie de Yes Grossen. Et il a dansé ce soir. Il est où? Il est là. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui nous ont aidés pour ce week-end, parce que là, c'est notre dernier spectacle ce soir. On avait commencé samedi soir. Cet après-midi, ce soir, merci encore à tous les danseurs, merci à tous les chorégraphes, les écoles, les compagnies, mais merci aussi et surtout aux acteurs ici, au Volubilis, là en haut, à Hugo et à Bruno pour le son et la lumière, à Victor sur le plateau. C'était un week-end également très, très éprouvant pour eux, parce qu'on a enchaîné les répétitions et les spectacles. Merci, un grand applaudissement pour eux. Et je vais terminer par une personne, évidemment, qui m'accompagne ici sur ce navire depuis pratiquement le début. C'est notre 9e édition. Alors, elle n'était pas là tout au début, mais là, maintenant, ça fait bien 7 ans qu'on travaille ensemble. Là-dessus, sur plein d'autres choses. Merci à Brenda Ingenito. Ah, et une dernière petite chose, mais cette fois-ci, c'est pour vous. Cher public, donc vous allez peut-être bien encore patienter 30 secondes. Je vais demander une main innocente de tirer 3 photoyosseurs, parce qu'on a réussi, on a 3 bons de notre boutique Absolue Danse pour des bons d'achat dans leur boutique. Alors on a le J2. Si le J2 veut un bon cadeau, venez sur scène. Si le N12, s'il n'y a personne, c'est pas grave, hein. Je crois que je vais avoir des amateurs ici, hein. Et on a le H3. J2, N12, H3, il y a quelqu'un? Non, J2, pourtant, à mon avis, il doit y avoir quelqu'un. Ah oui, voilà. Ok, super, montez avec nous. Nous, on vous dit très belle fin de soirée et j'espère à l'année prochaine. Au revoir.